dans la catégorie attraction touristique 25 000 à 100 000 visiteurs commandités par ville de Dolbeau-Mistassini. Le gagnant est le village historique de Val-Jalbert. L'an dernier, vous avez été lauréat au Grand Prix du Touriste canadien dans la catégorie expérience touristique de l'année au Canada. Absolument. Félicitations. Merci. Vous semblez voguer sur une vague assez bonne pour vous. Hein? Qu'est-ce qui vous distingue de les autres? Bien, écoutez, le plan de développement qu'on a initié il y a 3 ans, on est à la fin à peu près des implantations qu'on doit y faire. Et naturellement, on a gagné, on a été gagnant, on a fait des choix très judicieux, on a fait des choix que, apparemment, les touristes adorent. Alors, on a été gagnant avec ce plan de développement-là, bien sûr, qui a été dirigé de main de maître par notre directeur général. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que gagner. Parfait. Puis, quelles sont les réactions des gens lorsqu'ils entrent au village historique de Val-Jalbert? Moi, je vais dire un mot, une surprise, parce que je pense que les gens connaissent bien le village historique de Val-Jalbert, parce que ça fait partie de l'histoire de la région, de l'histoire du Québec. Et les gens ont tous vécu une expérience, ou à un moment donné ou un autre, dans leur vie à Val-Jalbert. Mais je pense que depuis 3 ans, on a professionnalisé le site. On en a fait vraiment un site de calibre international avec une structure d'accueil, un développement d'expérience qui est de qualité, qui est à la hauteur des installations qu'on peut voir dans plusieurs sites ici au Canada ou même ailleurs. Et je pense que ça, c'est ce qui surprend les gens. Donc, de voir tout le travail qui a été fait pour justement bonifier l'expérience, maximiser les installations. Puis évidemment, bien, on a fait des choses assez spectaculaires avec le belvédère en plein cœur de la chute, l'hébergement d'expérience, la restauration haut de gamme. Donc, je pense que c'est un peu l'élément de surprise qui fait que les gens apprécient. Et puis, évidemment, l'esprit du lieu, tout à fait, là, le calme et puis tout ce qui se passe, la beauté du site de Val-Jalbert. Merci, félicitations. On vous invite à aller visiter le village historique de Val-Jalbert qui offre également l'hébergement sur place pour une sortie en famille des plus réussies.